les changements climatiques et nous frappent depuis plusieurs années. Souvent, on a des pluies qui ne sont pas suffisantes et très irrégulières. Et ça impacte sur la productivité, sur la sécurité alimentaire donc des populations. Et le désert n'est pas loin. Nous ne sommes pas loin de la Mauritanie. Le désert avance. Donc, l'importance des arbres, des ligneux, pour freiner la désertification. Et surtout, chez nous, le Federbia albida, pour moi, c'est un arbre mythique. C'est extraordinaire. Ça fait un moment que l'on sait que cet arbre est un arbre miracle. Dans le projet Sustainsale, par exemple, c'est ce que nous avons fait. Nous avons comparé le mil qui pousse près du Federbia, le mil à distance moyenne et le mil très loin du Federbia, loin du houppier. Et on montre effectivement que non seulement le rendement est augmenté, disons 2 à 3 fois plus élevé quand il est proche de l'arbre. Et Federbia, justement, a cet avantage que c'est un arbre qui ne fait pas de compétition pour la lumière parce que ses feuilles tombent pendant la période où la culture en dessous se développe. Donc, il n'y a pas de compétition pour la lumière. Par contre, il y a de la facilitation. Donc, la dernière propriété qui est extraordinaire chez cet arbre, c'est que comme vous pouvez voir, le sol est sec. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas plu. Il reste des résidus de culture, mais le sol est sec. Et cet arbre, il est ouvert. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. On est en pleine saison sèche. Ça va être pire. Et il est plein de feuilles. Il est en pleine croissance. On a dit pourquoi. Il avait accès à l'eau. Il arrive à se fournir en eau. Il est en pleine croissance. Il est ouvert. Et en plus, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il a fait ses fleurs. Et là, ce qu'on voit, les boules oranges, là, ce sont ses fruits. Et ces fruits sont très, très appréciés du bétail. Donc, les éleveurs adorent cet arbre pour nourrir le bétail avec les fruits. Quand il n'y a plus rien à manger dans les champs, il sert à entretenir les animaux. Donc, en fait, on lui coupe des branches, on donne les branches aux animaux, les animaux se jettent dessus parce que c'est un fourrage de saison sèche très, très apprécié. Et ça arrive au bon moment. Et ce que font les animaux d'élevage en retour, c'est qu'ils viennent s'abriter sous l'ombrage de cet arbre-là parce qu'en saison... En saison chaude, il fait vraiment très très chaud. Le sol peut être à 55 degrés en surface. Et que font les animaux? Ils viennent sous l'arbre. Et sous l'arbre, qu'est-ce qu'ils font? Ils défèquent. Ils défèquent, ils urinent, etc. Autrement dit, toute la matière qu'ils ont un peu broutée dans les champs, les résidus de pas, ils viennent les rassembler sous l'arbre. En fait, cet arbre-là envoie des racines partout, dans toute la parcelle. Même quand on est très très loin des arbres, même si on est à 30 mètres des arbres, on n'a jamais réussi à faire un trou sans tomber sur une racine. Donc ils sont en train d'exploiter tout le sous-sol. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils n'exploitent pas dans la zone des cultures. Leurs racines restent en dessous. Elles sont vraiment abondantes à partir de 1 mètre. On en voit jusqu'à 4 mètres, puis après on n'en voit plus. Et après on en retrouve beaucoup près de la nappe. Voilà. Et donc en fait, ils n'entrent pas vraiment en compétition avec les cultures. Ils ramassent ce que les cultures n'ont pas utilisé. Voilà. Et donc, c'est une propriété très intéressante en agroforesterie, c'est quand il y a cette complémentarité dans l'occupation de l'espace. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'arbre, il va envoyer des racines très très loin, il est capable d'aller chercher des ressources très très loin, qui ne sont pas captées par les cultures, et de les ramener ici. En les ramenant ici, il va créer un espace très fertile autour de lui. Grâce à ses nutriments, grâce à cette eau, il va faire toute sa croissance, toute sa production de feuilles. On va voir les feuilles tout à l'heure. Et il va faire ses litières, des litières aériennes, des litières de racines. Et tout ça va enrichir le milieu et enrichir le sol. Petit à petit, dans ce système, la fertilité se concentre sous les arbres. Et ça crée des espèces d'îles au milieu d'un désert, ou plutôt d'un océan totalement stérile, qui sont les espaces entre les arbres. C'est des zones qui sont très peu fertiles, mais sous les arbres, on est comme sur des îles paradisiaques. Donc le sol est très bien alimenté, il est plus riche en eau parce que les racines améliorent la filtration.
Il est plus riche en matière organique, il retient mieux l'eau, il est plus riche en matière minérale, il est plus riche en vie dans le sol. Il y a plein d'avantages à mettre Federbia en association avec la culture annuelle. Parce que les litières des feuilles, par exemple, quand elles tombent au sol, enrichissent le sol. Cette décomposition des litières, et qui est favorisée d'ailleurs par l'activité biologique, hein, parce que les organismes, les micro-organismes du sol, ils ont besoin de carbone pour se nourrir. Donc, ils décomposent cette matière organique et en la décomposant, ils libèrent les nutriments contenus dans ces litières. Et ces nutriments, donc, peuvent être utilisés par la culture annuelle, soit le mil, soit l'arachide, pour sa croissance. Ici, nous avons des chambres qui sont faites pour étudier les gaz qui sortent du sol. En fait, on a placé des chambres dans deux conditions, sous les arbres et là-bas, loin des arbres. Et on s'aperçoit que sous les arbres, il y a beaucoup plus d'émissions de gaz, mais beaucoup plus. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup plus de vie dans le sol, sous l'arbre. Donc, il y a beaucoup plus de microbes, d'animaux qui sont en train de respirer, de fermenter, de tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je dis que sous l'arbre, c'est un îlot de fertilité. Les litières, comme je t'ai expliqué, se décomposent, hein, sous l'effet des des organismes du sol, les bactéries, les champignons, favorisent une biodiversité, donc une diversité de micro-organismes. Et ces micro-organismes, comme elles sont de différentes natures, ça facilite ce qu'on appelle la résilience du système, plus résilient au stress, hydrique, plus résilient aux maladies. Ceci contribue à maintenir la stabilité de la population. Tu n'auras pas, par exemple, des pathogènes, des micro-organismes pathogènes qui vont se développer et prendre toute la place. Donc, tu as une régulation des micro-organismes qui sont présents parce qu'ils sont un peu dans une chaîne trophique. Et on constate effectivement que l'arachide qui pousse sous les arbres, là où il y a beaucoup plus de litière qui tombe, effectivement est moins affectée par certains bioagresseurs que l'arachide qui pousse loin des arbres. Que ce soit Guéra, que ce soit Pignosigma, que ce soit Federbia albida. Et on est sûr que même si on avait la possibilité de faire des essais avec d'autres espèces, c'est sûr que l'effet va être également avantageux pour les cultures. Et donc, ce qui sort, c'est que le rendement est plus important. Également, la santé des sols, par rapport, par exemple, si je prends l'exemple des attaques par le Striga hermantica, lorsqu'on est à proximité de ces ligneux, on a moins de pression de ce pathogène sur les cultures. Il n'y a pas beaucoup de macrofaune ici, pas beaucoup de vers de terre, par exemple, sur nos sols sableux. Mais quand même, la matière organique a cet effet de favoriser le développement d'une faune, de fourmis, d'insectes, qui vont créer de la porosité dans le sol, qui va creuser des galeries dans les sols. Nous avions mesuré les densités apparentes des sols, la porosité des sols. On avait plus de porosité des sols proche de l'arbre que loin de l'arbre. Ah. Donc voilà, toute cette porosité est favorable à l'infiltration de l'eau de pluie, à son maintien aussi dans les sols. Mmh. Et donc, l'infiltration aussi, on a regardé, on avait plus d'eau infiltrée après une pluie quand on était proche de l'arbre que loin de l'arbre. Et donc, on croit qu'on est dans un lieu très sec, on croit que c'est un arbre qui résiste beaucoup à la sécheresse, ben pas du tout. Et dans ce puits, on a mis pas mal de capteurs. Comme vous pouvez voir ici, il y a des fenêtres qui ont été creusées. Et ces fenêtres, en fait, elles nous permettent de placer comme des télévisions à racines. Donc c'est des plaques sur lesquelles on va faire des photos à la fréquence qu'on veut de la croissance des racines. On les voit descendre jusqu'à la nappe. Et la chose qui est
particulière, c'est que y a beaucoup, beaucoup de racines à côté de la nappe. C'est-à-dire que cet arbre a tendance à faire l'essentiel de ses racines fines au voisinage de la nappe. Voilà. Et bien, ce n'est pas tout à fait un hasard, parce qu'en fait, il est en train d'utiliser l'eau de la nappe. Ce n'est pas du tout un arbre qui résiste à la sécheresse, c'est un arbre qui est capable d'aller chercher de l'eau très profond. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a des racines qui vont verticalement, et ces racines-là, elles descendent en fait jusqu'à la nappe, à plusieurs mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle les racines pivots, et c'est elles qui vont l'alimenter en eau, essentiellement. Et puis, on a un deuxième type de racines, qui sont des racines qui partent à 30 degrés, comme ça, et qui vont aller explorer le sol. Donc, il y a vraiment deux systèmes, un comme ça, un comme ça. On a vu quelque chose d'extraordinaire. C'est un collègue qui a vu ça. Il a vu qu'il était capable de prendre de l'eau dans la nappe, de la faire remonter, de l'envoyer dans des racines horizontales et de la remettre dans le sol en surface. Donc il était capable de faire une sorte d'ascenseur entre les eaux profondes et le sol en surface. Regardez cette racine-là horizontale, on lui a mis des capteurs. Donc on imagine logiquement que l'eau vient du sol, qu'elle rentre dans cette racine horizontale, qu'elle arrive dans le tronc, qu'elle monte dans le tronc et qu'elle va vers les feuilles, qu'elle s'évapore là-haut. Eh bien, figurez-vous que ça peut être l'inverse. C'est-à-dire qu'elle peut en fait monter par la racine qui va jusqu'à la nappe, la racine verticale, passer dans la racine horizontale et partir à l'envers, partir vers le sol. Donc c'est ça ce que le collègue a mesuré. À certains moments de l'année, ça s'inverse. Donc, l'eau dans cette racine peut aller dans un sens ou dans l'autre. Incroyable. Et j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, qui montrent que l'eau, ils sont capables de prendre un ascenseur par les racines. c'est ce qu'on appelle l'ascenseur hydraulique. L'eau de la nappe passe par les racines des arbres et remonte et va se déverser dans les horizons plus secs, qui sont en surface et qui sont colonisés par la culture annuelle. Donc, ils peuvent un petit peu profiter de cette eau-là dans les périodes sèches. Moi, il m'a fait un peu de galoli. Le tronc, déjà, donne un peu d'ombrage quand même. Et ça fait un climat un peu plus frais, un peu plus. Qui conduit à une réduction de l'évaporation. Donc, ce qui ne s'évapore pas est susceptible d'être consommé par la plante, par la culture qui se trouve en dessous. Donc, ça, c'est intéressant. Tu réduis l'évaporation. Mais les litières aussi, je n'en ai pas parlé, ont un effet mulch. Comme on vient de dire là, ils couvrent le sol. Et donc, en couvrant le sol, ils réduisent l'évaporation. C'est ça qui protège le sol. Voilà. Et ça réduit l'évaporation, ça réduit les risques d'érosion. Ça n'a que des bénéfices, ça favorise la biodiversité. Je t'avais parlé du carbone. Les micro-organismes, quand il y a de l'eau, quand il y a tout ce qu'il faut, le carbone et tout, ils se développent. Alors malheureusement, il a quand même un problème pour sa reproduction. Parce qu'on a dit qu'il avait besoin d'une eau qui est seulement disponible à plusieurs mètres. Qu'est-ce qui se passe quand une graine de cet arbre germe? Il va falloir qu'elle traverse avec sa racine plusieurs mètres ou dizaines de mètres de sol avant de pouvoir s'affranchir de la sécheresse, en fait, comme n'importe quelle plante. Et ça peut prendre un temps très, très, très long. Donc, c'est un vrai défi de propager cet arbre à partir de la graine, dans ce genre de sol avec des nappes profondes. Heureusement, il a une stratégie de reproduction par multiplication végétative. Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il envoyait des racines horizontales vers un mètre de profondeur à très grande distance. Eh bien,
à tout moment, sur ses racines, peuvent repartir un jeune pied, qu'on appelle un drageon. Et si on les protège, ils se multiplient et ils grandissent très vite. Donc en fait, la stratégie pour régénérer les parcs, eh bien en fait, c'est de protéger les jeunes drageons qui apparaissent ci et là. Et ça, c'est pas compliqué, il faut mettre un grillage autour ou quelque chose pour empêcher les chèvres de le manger. Voilà. Et c'est probablement ainsi que le parc s'est régénéré, s'est multiplié, grâce à cette multiplication végétative. Thank you.